T'as dit que t'étais aujourd'hui? Non. Pas... T'aurais dû, ben oui, t'aurais dû, là. Tu vas arriver chez vous, tu vas péter tantôt. Ouais. Tu pèles-tu? Ben, ça commence, c'est dangereux, hein? C'est pas sécuritaire. T'habites-tu dans le deuxième étage? Ben, il y a des marches, et ma voisine, elle vient de se casser le genou. Fait que c'est pour ça que je devrais... Tu devrais aider ta voisine un peu, tu sais. Tu l'aimes-tu ta voisine ou c'est une conne? Non. Tu l'aimes. Pète. Sinon, pète-y l'autre jour si tu l'aimes pas. C'est vraiment un délire. T'habites dans quel quartier? Plateau. Plateau, ok. Oh, quand même, tu sais. Fait que c'est bon, c'est... C'est un beau quartier, tu sais. T'as les moyens d'acheter une perle. T'as-tu une perle? Ouais, rangée. Hey, rangée, pas sorti encore. T'as pas encore prévu la neige. T'as pas vu les alertes météo? T'as-tu tes pneus d'hiver sur ton char? Non, j'ai vendu mon char. T'as vendu ton char pour payer une perle. Good job. Ça, c'est un homme qui a les valeurs à la bonne place. C'est elle. Tu vas pas aider ta voisine avec le genou pété. Tu peux plus faire de lift? Mais tu peux y péter tes marches, là, au moins, tu sais. Grand cœur, mon job. Grand cœur. T'aimes ça l'hiver? Ouais, quand même. Comme ça, t'aimes ça quand même. Ok, fait que ça mélange pas la neige. T'aimes ça? Non. T'es-tu comme un bébé chien dans la neige, puis tu sautes, tu fais nous autres dents, tu sais. Moi, mon Golden Retriever fait ça toute la journée. Si, tu vas devant la neige, tu sais. T'es-tu un peu un Golden Retriever ou t'es pas un Golden Retriever? Si t'étais un chien, quel chien tu serais? Je sais pas. Ah, choisis n'importe quelle, la race que tu penses que t'aimerais avec. Un dalmatien, eh oui, grand, malhabile, tombe sur le côté, dans le parc. C'est exactement toi, ça, ben oui, eh, nice. Moi, je te disais, t'es plus un Yorkshire. Un petit crisse de chien qui t'a goûté piquer, là, tu sais. Oh, t'as fini d'étudier. Ah, oh, ouais. T'as décidé d'arrêter d'apprendre quand? T'as gradué de l'école, là? Concordia en quoi? En actuariat. En actuariat, ça c'est le fun. Oh, regarde ça, les plots à cache. Ah, t'es un chien, toi? Non, j'ai pas de chien. T'es un chat? J'ai pas de chien. T'as pas d'animaux? Pas d'animaux. Pas de pourquoi? Ben, maintenant, on a pas assez ses cheveux. J'en connais un qui va se crosser à soir. Et à l'aide, donnez-y de la crème hydratante, il va avoir le gland rouge, esti. Chris, je sais pas quoi vous dire. Moi aussi, j'ai peur à mes cheveux. Ma blonde a acheté un chien pareil. Ta maman, qu'est-ce que tu parles? Les bourrettes ont l'air d'avoir beaucoup de cheveux. Là. T'as pas l'air des pertes tant que ça. Là, ils sont longs. C'est sûr qu'ils sont longs. C'est sûr que si t'en perds dans la douche, elle te fait un bouton dans le drain quand même assez rapidement, tu sais. Oui, c'est moi qui fait que je chiale pour rien, mon estime. Oh, les jeunes couples, hein. Faites-vous-en pas. Si vous séparez, tu t'en vas tout de suite sur Tinder, tu t'en matches en 20 minutes, estime. Lui, il reste seul le restant de sa vie, parce que t'as un ingrat. Ingrat, tabarnage. Toi, si t'étais un chien, tu serais un chihuahua, c'est-tu? Puis en plus, t'as mettre dans une sacoche, la zipper, puis te laisser t'étouffer, c'est une joke. Ça s'étouffe pas, ça respire bien une sacoche. Est-ce que vous avez des enfants? Puis sont-tu... Pas d'heure dans les yeux de la madame, c'est-tu? Il habite sûrement avec 2-3 colocs, comme le petit pauvre à gauche. T'es pas capable de pelleter tes marches pour sa voisine qui a le genou déraché. À soir, là, tu vas pelleter tes marches, puis je veux une photo de tes marches pelletées sur mon Facebook, est-ce que tu... Après ça, on va rien faire avec. C'est ça que je...